Ce n'était qu'une petite île parmi d'autres, où des hommes et des femmes ont été emmenés de force. Dans cette île, la liberté était encore inconnue, mais son souffle enflait déjà les poumons et les cœurs. Elle hurlait déjà derrière les montagnes. Bonjour, je suis Mikkelson Toussaint-Fils, l'auteur du roman Les Sentiers Rouges, Le Messie des Îles. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente aujourd'hui cette œuvre que j'ai écrite avec beaucoup de passion. Pierre est ce jeune esclave au cœur noble qui ressemble à Macandal et qui s'est fait marron, partant à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas, qui découvrit l'amour mais aussi la rébellion des marrons. Pour les esclaves qui croupissent dans le malheur, Macandal est le sauveur inespéré. C'est le fils d'Ogou envoyé par les dieux d'Afrique pour les libérer. Il n'en doute point car Macandal est fort, invincible, immortel. Même les Français le craignent et finissent par croire en sa nature extraordinaire. Joseph est le colonel français chargé de retrouver Macandal. Il ignore les liens qui existent entre sa famille et ce vulgaire bandit qu'il doit tuer ou traîner devant la justice. Un secret révélé va bouleverser son existence et sa mission. Assam est la jolie pucelle et intrépide guerrière au crâne rasé. Elle sera aimée par les trois héros, François, Joseph et Pierre. Elle sera le mentor de ce dernier, l'initiant aux arts de la guerre. Elle transformera ainsi cette souris en lion. La plupart des sommeils n'étaient pas encore profonds lorsque les coups de feu et les gorges en fureur explosèrent dans la nuit. Le cap français qui allait s'endormir était subitement pris au collet. Plusieurs rues étaient envahies en même temps. C'était une attaque, c'était une course folle. C'était des soldats attaquant une forteresse. C'était des fourmis se répandant sur la charogne. Les citadins à l'entrée ouest de la ville voyaient de leurs fenêtres venir une vague d'hommes, de feu, de bruit, de colère. Ils n'avaient pas vu l'éruption du volcan, mais ils voyaient cette coulée de lave qui se répandait dans les rues. Cette vague enflammée, agitée et effrayante, semblait provenir de l'infini. Des pierres comme des feux étaient lancées contre les maisons, certaines étaient particulières. La nuit s'emplissait de plus en plus de fracas, de craquements, de crépitements, de chants, de cris, de pleurs. Le bois, le fer, la terre, le feu, les hommes hurlaient ensemble. Cette esclande était le grivoyer des autres. Dans les rues des cités, la souffrance des peuples est décriée. Ce bouillonnement qui est cauchemar pour les seigneurs est fomenté par les rêves des terres de terre. La ville qui allait se